Allô, madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour toutes les amis qui sont sur la chaîne Bali Haïti. Et si on a le plaisir, notre occasion, nous tournons sur la plateforme là, avec une autre nouvelle en détail. Vous salut toutes les amis qui branchent, qui attendent, qui regardent Chanel, Bali Haïti. Salutations par nous spéciales, que bon Dieu continue de bénir nous. Et une autre fois encore, secteur démocratique populaire, qui c'est opposition, hein, eh bien, ils ont annoncé une grosse manifestation qui a fait dans tout le pays, qui a commencé demain, si bon Dieu veut. Eh bien, nous attendons des plaisirs et responsables dans l'opposition, hein, qui fait qu'on est. Pour peuple là marcher bien préparé, eh bien, pour aller connaître si Jovenel Moïse pas quitter le pouvoir. Il a dénoncé Zach insécurité qu'a fait dans le pays. Il a dénoncé tout en pile et Zach côté Corona a saccagé le monde. Il a fait connaître l'État qui a comme nom pour faire travail, pour retirer le pays à côté de lui, pas jamais faire rien. Eh bien, nous attendons André Michel, qui est porte-parole secteur démocratique populaire, les qualifier ordonnance. Juge qui t'a instruit dans le dossier Petro-Caribéa comme une ordonnance partisan. Eh bien, le fait qu'on est, faut que le peuple a levé campé pour que le peuple a pris comme Petro-Caribéa côté lié. Et il dit, faut que le levé campé fois ça pour déchouquer Jovenel Moïse. Dans le cadre et manifestation qui a commencé demain, cap 27 juin, eh bien, André Michel a annoncé avec tout le monde, fois ça, il parle pour bon dans la rue. Et moi, je vais faire autant de déclarations, opposition qui va parler. Gomba, et nous t'arrêtons pour nous commenter vidéo ça. Parce que moi-même, je vais parler avec André Michel, je vais parler avec les nègres de l'opposition qui a prêché type manifestation ça. Voilà, supposé que manifestation, dans l'état pays est là, camarade, si je dis que le peuple va supposé manifester, non, je avec le peuple va supposé manifester, parce que le pays a dirigé, bandit pour le pays, nous supposons exiger, soi-disant, que c'est l'état là, pour remettre. Si on n'est pas capable, ou on n'est pas capable de garantir le peuple la bonne sécurité, parce que le peuple a besoin de sécurité. Messieurs, si on n'est pas garantir le peuple la bonne sécurité, remettre mandat. Mais, étant donné, André Michel lui-même, qui a prêché, qui a parlé, question et manifestation, crasé, brisé, pareil, ça, nous n'est pas capable de répéter encore. Parce que, l'après, on a dans la réalité, crasé, brisé, ça ne va pas le craser. Il va le bouler, machine létale, il va le bouler, machine privée, mounio. Même Jean Sabandi a fait dans le pays, qui veut dire pas bon différence entre bandits avec Sabandi a fait entre ça, peuple a parlé vraiment de l'État. Monsieur, tenez bien. Et nous supposons parler avec peuple là bien, pas supposé parler avec peuple là dans le cas de brise. André Michel, mettez grand monde sous, m'a besoin une vidéo ça, m'a attendre toute fanatique yo pour le temps de ça dit a, et bien, il a pas parler avec vous et m'a penser population peuple haïtien, levez campé pour nous faire l'autre révolution, pas la révolution bandit fait pour nous. Et je garantis, nous disons ça encore, le pays n'a pas d'autorité, pas de dirigeant. Mais nous ne pas quitter mon prêcher anti-violence et pour nous mettre des faits dans ce qui est là. Ce n'est pas correct. Manifester non sens, manifester sans question, sans craser briser par la dedans. Ok? Mais si on est campé dans la radio, on parle des questions craser briser, nous ne pas la dedans. Eh bien, en attendant de madame, c'est le secteur démocratique populaire qui a fait intervention. Je te baille dans la presse, dans tout le monde. Je pense que la bataille ne fait que commencer. Il n'y a aucune surprise dans le dossier. Nous n'avons aucune surprise. Pas oublier, depuis le procès a commencé, dans toute conférence de presse, la baille avec Pléan, même avocat dans le dossier, hein? Nous toujours dit, nous toujours répété, tout autant Jovenel Moïse PHTK sous pouvoir, procès Petro-Caribé pas jamais fait, parce que volé pas qu'on juge volé. Jovenel Moïse personnellement, il y a deux compagnies qui est peglé dans le dossier Petro-Caribé. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Cour des comptes. Il a précisé. Ça veut dire, même Jean-Jésus-Christ, parfois, le qu'on dit, eh bien, il y a des bagages qui ne sont pas possibles. Il est plus facile pour un chameau passer dans Jésus-Christ qui ont série de monde rentrer dans le royaume ciel. Là. Et bien, c'est même bagage. Il est plus facile pour un chameau passer dans Jésus-Christ que pour ces Petro-Caribé fait, pour ces massacres la Saline fait. Procès assassinat bâtonnier d'Orval fait pendant Jovenel Moïse au pouvoir. Et ferme confiance. Tout ça qui a passé dans le pays là sur le plan politique. Gang qui a tué moun. Kidnapping qui a fait.
bagay moun, business moun y a pillé, gang qui prend contrôle, tout Port-au-Prince, tout bagay ça a un seul objectif, créer chaos dans le pays, pour procès Petro-Caribe pas fait, pour procès assassinat bâtonnier d'Orval pas fait, pour procès massacre la Saline Belle et Cité Soleil pas fait. Voilà la vérité. Juge Ramon Sitaksime, il a gagné presque 3 ans depuis qu'il a travaillé sur le dossier Petro-Caribe. Il a une ordonnance pour le dire, comme pas un arrêt de débat dans le dossier, eh bien l'ordonnance et dossier instruction prématurée, il va continuer à camper. Presque 3 ans, depuis fin 2018, Ramon Sitaksime dans le dossier ça. Presque 3 ans depuis qu'il a travaillé sur le dossier, c'est aujourd'hui à le constater, mes chers amis, pas de arrêt de débat dans le dossier. Est-ce que vous comprenez ça, vous l'avez dit? Franchement, c'est prendre les enfants du bon Dieu pour des imbéciles, pour des canards sauvages. Ou bien presque 3 ans à travailler dans le dossier, ou elle est tout le monde dans le dossier, ou elle est témoin, et puis c'est après 3 ans qu'elle se dit, oh, on va gagner un débat. Mais franchement, c'est pas sérieux. Quand on cite, ils cherchent un subterfuge. Parce que le voulait blanchir les gens qui volent le corps Petro-Caribe. Mais arrêt de débat par aucun rapport avec le dossier corruption. L'enquête de corruption diffère totalement de l'enquête administrative. Conseil de infraction en matière de corruption, infraction ça, la Cour des comptes pas qu'à saisir. La Cour des comptes juge les comptes des ordonnateurs et des comptables publics, mais la Cour des comptes n'est pas juge en matière de corruption. Là, la Cour des comptes constate que gestion administrative pas bon, la Cour des comptes bail arrêt de débat. S'il constate gestion en bon, li bon arrêt de quitus, mais même si vous avez un arrêt de quitus de la Cour des comptes, vous pouvez être poursuivi pour corruption. Parce que la corruption, c'est une infraction dissimulée. Ce n'est pas une infraction ou avec facilité. Et si c'est dans Jean-Écriture de passé, ou à regarder, est-ce que les comptes de l'État ont été bien gérés? Si c'est ça, ou à regarder, pas de corruption. Bon, série d'infractions de corruption. Son juge d'instruction qui pour mener enquête, qui pour cap joindre. Bon, série d'infractions, tant que délit d'initié, tant que prise illégale d'intérêt. Une série d'infractions, tant qu'on abus de biens sociaux, une série d'infractions, comme si les gens lui fait trafic d'influence, lui fait favoritisme, ça n'a pas concerné la Cour des comptes. Un bon exemple simple, vous êtes ministre. Ou fait un petit cousin madame ou fait en compagnie. C'est où fait le fait compagnie, ou ballon contrat. Si la Cour des comptes a regardé, premièrement, le contrat exécuté, la Cour des comptes a un arrêt de quitus. Mais par contre, il y a une infraction de corruption parce qu'on utilise la position pour faire une madame pour faire l'argent. Pas de corruption, ça ne regarde pas la Cour des comptes. Ou bien on a un contrat, on a un bon comme en bas. Ça veut le versement de pot de vin. La Cour des comptes doit constater le travail, la fête, il y a un arrêt de quitus. Mais là, il y a une infraction parce que vous touchez un pot de vin. Bref. Juge Ramon Sitaksime a bêtisé. Ça n'a pas ordonnance. Sur le plan juridique, ça ne tient pas. Mais nous connaissons. Et pas parce que Ramon Sitaksime qui veut le faire. Comme lui nomme. Il a intérêt. L'a protégé Jovenel Moïse. L'a protégé Laurent Lamotte. L'a protégé les dilapidateurs des fonds Petro-Caribé. Et ça fait le frère ordonnant ça pour le doux. L'instruction est prématurée. Il y a obstacle à l'instruction parce que pas un arrêt de débat. C'est après près de 3 ans qu'il travaille sur le dossier qu'il constate qu'il n'y a pas eu d'arrêt de débat. Mais franchement, ça n'a aucun sens. Mais la défaite du droit est toujours provisoire. Et je garantis, mon qui vole le corps Petro-Caribe. Contrairement à ça, vous avez pensé matin, vous savez qu'il y a eu un problème. Parce que moi-même, comme avocat, nous-mêmes comme avocat, qui ça nous a besoin? Nous avons besoin de dossier à sortir dans mes Ramon site pour nous porter dossier à part devant la Cour d'appel. Et comme dossier à la printemps pour le plaider devant la Cour d'appel,
Et m'bon garanti, les dossiers sa plaide devant coup d'appel. Mais ça, pas de PHTK sous pouvoir, pas de Jovenel Moïse sous pouvoir. Bon, peut-être qu'on a tué tout le monde, tout le monde, mais pourquoi si on est capable? Mais si on pensait, avec cette ordonnance, ils sont capables de blanchir définitivement les dilapidateurs des fonds Petro-Caribé, ils se trompent. Les populations doivent comprendre. Le dossier Petro-Caribé, ce n'est pas le dossier des citoyennes et citoyens qui ont porté plainte. Ce n'est pas le dossier des avocats de la partie civile, c'est le dossier du peuple haïtien. C'est plus de 4,2 milliards de dollars américains. Nous sommes capables de construire 500 km de route, sortir Jérémie, passer au Caï, arriver tout l'autre côté de la faire route. Nous sommes capables de construire 2 aéroports. Nous sommes capables de construire 400 lycées. Nous sommes capables de construire 10 universités dans tout le pays. Nous sommes capables de développer l'industrie de la pêche dans toute la zone sud, dans toute la côte sud. Ce qui est en Sapit. Ouais, passer Belance, monter Marigot, aller au Caï, river et Tibiron et même river les Irois jusqu'à Ansdeno. Ça veut dire, les dilapidateurs des fonds Petro-Caribé, c'est criminel, c'est peuple haïtien qui est victime. Faut que procès ça fait. Mais nous ne pouvons pas être nous mentir même. Nous ne sommes pas des petits. Nous ne sommes pas des enfants. Nous connaissons tout autant PHTK sous pouvoir. Tout autant Jovenel Moïse sous pouvoir. Procès Petro-Caribé, pas jamais fait. Même Jean-Tou, faut que nous sommes petits, crébétés, égarés qui fait hier matin pour ta pensée Jovenel Moïse. Sous pouvoir toujours, et puis procès bâtonnier d'Orval Bral fait. Et ça le bral Fabatine. Qui a assassiné, qui a fait assassiner bâtonnier d'Orval. Pourquoi son jouet lié? C'est pour plaisanterie. Ils ont désarmé les policiers qui ont juge d'instruction et dans le registre de sécurité qui travaillent sur ce dossier d'Orval là. Tout en donnant juge d'instruction, prend le voyel. Bah, il paquet pour voyer, bah, Matine Moïse, pour paraître devant le métal dans le paquet. Paquet pas signifié. Le procès est bloqué. L'obstacle est politique. Quitte c'est dans le dossier Petro-Caribé que nous avons traité là. Quitte c'est dans le dossier assassinat bâtonnier d'Orval. Quitte c'est dans le dossier massacre la Saline, Cité Soleil, Belay, Kafoufen. Bon, obstacle politique. Et tout autant obstacle politique yon là, procès ça yon pas avancé. Alors, mes chers amis, le message est clair. Si nous voulons procès à fait, nous devons mobiliser. Mobiliser pour nous retirer. Même les gens qui veulent le Petro Caribé sous pouvoir. Nous ne pouvons pas demander aux justices, nous ne pouvons pas demander aux justices. Nous-mêmes, nous menons un dossier devant la justice. Le dossier va suivre son cours normal sur le plan procédural. D'ailleurs, nous ne sommes pas pressés du tout. Parce que nous connaissons les mêmes voleurs qui ont l'État en otage. Tout le temps, nous n'avons pas un procès à faire. Mais comme nous avons un délai pour porter la question par devant la cour d'appel par déclaration au greffe, nous allons le plus vite possible interjeter appel de cette ordonnance et à partir de cet appel, eh bien, c'est comme si nous n'en casse départ. Parce que l'appel remet l'affaire dans sa virginité première. Automatiquement, nous faisons appel sur le dossier. C'est comme si nous avons plainte fait poter devant le cabinet d'instruction. Mais je vais rappeler tout le monde pour une contradiction pour nous veiller. Parce que je dis, et pas seulement mon citoyen qui participe dans le dossier, après deuxième rapport, coup de compte là, l'État haïtien. Mais ça, c'est Jean-Henri Saint premier ministre, il dépose plein tout. L'État haïtien est également partie civile dans ce dossier. L'État haïtien, après deuxième rapport sur les comptes, il dépose plein tout. Jean-Henri Saint premier ministre, il y a ça pour Algado, même comme journaliste qui est éclairé. Algado pour ouais, est-ce que DGI a fait appel? Et ça pour Algado techniquement. Parce que l'État haïtien, et c'est ça, c'est Walmoyen comme avocat, comme professeur. Pour m'orienter, pour me comprendre ce qui a passé. Non, premier temps, c'est nous-mêmes seulement qui étions dans le dossier comme partie civile. Mais après le deuxième rapport Petro-Caribé, Petro-Caribé fait dans le coup de compte. Après le deuxième rapport coup de compte fait sous Petro-Caribé, Jean-Henri Seyan, lui fait directeur de DGI à porter plainte. La DGI, l'État haïtien, est également partie civile à travers la DGI. Parce que c'est la DGI qui représente l'État en justice. Maintenant, ça veut dire, l'État haïtien te trompe le tout, elle te porte plainte là. Hein? DGI te trompe le tout. Maintenant, question pour garder. Elle garde pour elle, est-ce que la DGI, en tant que partie au procès, est-ce que l'État haïtien représenté par la DGI, en tant que partie au procès, lui-même tout le bras fait appel dans le dossier. Faut regarder ça pour elle. Et c'est là pour comprendre.
tout ça qu'a fait là, c'est manœuvre pour casser dossier. C'est manœuvre pour casser dossier, pour procéder à pas jamais fait. Alors, mes chers amis, la bataille doit continuer. Les gens qui volent les copes pétrocarbures doivent juger. Si l'ordonnance à mon site là, il n'y a aucune importance sur le plan du droit, il n'y a aucun fondement légal, c'est une œuvre de complaisance, c'est une œuvre partisane. D'accord? Et cette ordonnance ne pourra pas faire la route. Merci en fait.